D'abord, il y a le soleil, indispensable. Puis, ces deux miroirs en forme de parabole, placés à l'arrière du restaurant. Le phénomène, c'est que toute la lumière qui rentre dans le miroir principal est concentrée, redirigée à l'intérieur ici. Donc là, ben, on voit que c'est moins concentré. Plus je vais aller vers le point focal, plus c'est concentré. Et à un endroit, c'est tellement concentré qu'en fait, ben, un bout de bois s'enflamme instantanément. Là. Le résultat est impressionnant et pour que cela fonctionne, tout a été pensé et programmé. La parabole tourne en fonction du soleil, donc elle suit le soleil à la fois au cours de la journée, mais elle est prévue aussi pour suivre au cours des saisons, parce que le soleil, ben, l'été, il est très haut dans le ciel, l'hiver, il est plus bas dans l'horizon. Ce système permet en cuisine de chauffer la plaque en fonte jusqu'à 450 degrés. Si je mets ma casserole ici, en fait, je vais avoir un feu fort. Et ensuite, ben, je vais la déplacer sur le côté pour la laisser mijoter, puisque la température en fait, se diffuse à travers la plaque et donc permet ben, d'avoir toutes les températures disponibles sur le fourneau. Un fourneau également alimenté en électricité, indispensable pour cuisiner les jours sans soleil ou le soir. À la carte, une cuisine locale, échine de cochon du Mont Ventoux ou encore escabèche de poisson. Des clients séduits par les saveurs, mais avant tout par le projet. C'est assez fascinant de voir à quel point on peut récupérer autant d'énergie relativement simplement et facilement. Je sais que la majorité marche au soleil, donc c'est pour ça aussi que je voulais essayer le concept. Dès que c'est une première à Marseille, toujours une petite fierté forcément. Une première en Europe même, et les concepteurs ne veulent pas s'arrêter là en créant à l'avenir une petite centrale de méthanisation pour produire du biogaz. Un modèle vertueux, le bâtiment, lui, est déjà économe en énergie grâce à l'utilisation de matériaux intelligents.